Je m'appelle Mathias Bierry, bienvenue sur la ferme à Vuilly. J'ai 29 ans, marié et deux enfants. Ici, on produit principalement du lait et de la viande. Et on transforme notre lait en fromage, donc PDG et raclette. Et on fait aussi nos mélanges fondus avec notre fromage. Donc c'est quelque chose de nouveau sur l'exploitation ici. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait du fromage et ça fait vraiment 2 ans qu'on a vraiment attaqué à fond. Avant c'était plus des essais, on a dû changer aussi comme changer toute la ration des vaches, passer plus à des rations sèches, donc c'est-à-dire qu'elles mangent du foin, qu'avant les vaches étaient au silo, enfin on a fait pas mal de changements avant de trouver ce qu'on voulait vraiment comme fromage et surtout la qualité. Le fonctionnement de la traite, alors on va commencer par entrer les vaches dans l'aire d'attente, donc là où elles vont attendre de se faire traire. Et là, une par une rentre dans la traite, donc on en met 12 dans le carrousel qui tourne. Et à chaque fois qu'une rentre, une autre sort et ainsi de suite. Et donc là, quand elles rentrent, on va commencer par laver les pies avec une lavette à usage unique par vache. On branche la machine et dès que la vache a fini, ça se décroche automatique. Et donc la vache ressort toute seule et là elle va à la crèche où on aura mis le foin qui fera donc toute la nuit et le matin elles auront de l'herbe fraîche et dès qu'elles sortent donc après de 9h le matin elles sont dehors jusqu'à qu'il fasse chaud ou sinon on les laisse toute la journée jusqu'au soir à la traite à 16h. Les vaches chez nous sont détenues en stabulation libre, ça veut dire qu'elles ne sont pas attachées, donc elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent sortir si elles veulent, rentrer. Et pour nous, le confort animal, c'est vraiment très important. Je pense que ça fait aussi beaucoup sur la qualité du lait. Et notamment là, pour l'été, on a installé des brumisateurs pour quand il fait chaud et des gros ventilateurs. Et c'est vrai qu'on a quand même, on voit que les vaches sont quand même de mieux en mieux dedans, quoi. Alors une journée type sur l'exploitation, on va commencer à 14h le matin, donc on va tout de suite attaquer par la traite des vaches. Et ensuite, là on va commencer la fabrication du fromage, donc jusqu'à 10h30, 11h. Et puis après, l'après-midi, on va s'occuper de tout ce qui est les vaches, des parcs, déplacer des vaches, donner à manger au parc, tout ce qui est lié à l'élevage et ce qui tourne autour, les foins, tous les travaux annexes à l'exploitation. Et à 16h30, on retourne à la traite du soir et en fin de la journée à 18h30, 19h. Alors, moi je suis la 4e génération sur le domaine ici à Vuilly. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille sur le domaine. J'ai eu la chance aussi d'avoir mon père et mon oncle parce que du coup j'ai pu consacrer vraiment mon temps à l'élevage et tout ce qui est la partie fromagerie. On a Brian qui est à plein temps, qui fait aussi beaucoup de tracteurs et aussi les vaches. Et on a aussi ma maman qui m'aide beaucoup à la traite et à nourrir tous les veaux et à s'occuper de tout ça. Et on a aussi ma femme qui fait le secrétariat de la fromagerie. Et on espère plus tard, avec nos deux enfants, que quelqu'un reprendra le flambeau de l'exploitation. Pour moi, me lever tous les matins à 4h, c'est vraiment un plaisir. C'est d'aller à la ferme, c'est vraiment faire sa passion tous les jours et de faire ce qu'on aime, c'est vraiment important. Et je pense que c'est une chance. Profession, on fait que de s'adapter depuis 50 ans. Je pense que l'agriculture évolue, les consommateurs évoluent, le monde agricole évolue et on est sans cesse à la recherche de nouvelles technologies, de nouveaux savoir-faire, plus écologiques et moins de pesticides et tous ces produits-là. On essaye toujours d'aller dans ce sens-là et au mieux.
niveau de la fabrication du fromage, donc on va commencer par remplir la cuve avec le lait. Donc une fois la cuve pleine, on va mettre des cultures pour favoriser le type de fromage qu'on a envie de faire. Ensuite, on va les laisser maturer pendant 20 minutes à 32 degrés. Et là, après, on va mettre la présure pour faire cailler. Et là, on va attendre 40 minutes que ça caille. Et on va découper donc en petits carrés qui seront de la taille d'un grain de riz. C'est ce qu'il faut pour faire du PDG. Le PDG, donc pâte dure de Genève, qui est maintenant labellisé GRTA. Et ensuite, on va brasser pendant 40 minutes et chauffer à 54 degrés. Et une fois arrivé à température, on va regarder, on va faire un test de pâte, si la pâte est bonne. Et on va sortir le fromage pour mettre au moule. Une fois que le fromage est moulé, on va le retourner 6 fois dans la journée pour vraiment enlever le petit lait, le presser et essorer à chaque fois l'étoile. Et une fois ce travail fait, le lendemain matin, donc on va démouler les fromages. On va les mettre au bain de sel pendant 24 heures. Et là, ils partent à la cave pour une année ou deux. Ça dépend quel fromage, quel type de qualité on veut faire. Maintenant, je pense que la qualité du fromage varie entre les saisons. L'hiver, ce sera un fromage qui sera au foin, donc ce ne sera pas le même goût que l'été où les vaches sortent. Et tout dépend de ce qu'est le pâture, où est le pâture. Ça peut changer aussi un peu le goût du fromage. Et c'est ça qui fait un peu, chaque région a un petit peu son fromage et ses spécificités. En tant qu'agriculteur, transformateur et vendeur, c'est vraiment une chose intéressante qu'on arrive à boucler cette chaîne en produisant, en transformant et en plus en vendant, en ayant les retours avec les clients. Et c'est vrai qu'on arrive à mieux maîtriser tout notre lait et à réduire les intermédiaires et surtout les marges entre intermédiaires. Donc c'est vrai que c'est bénéfique pour tout le monde et pour le vendeur et pour l'acheteur aussi d'avoir un produit de qualité à des prix corrects. Nos clients, c'est, je pense, des personnes sensibles aux produits locaux et qui aiment bien manger avec des bons produits et des produits de proximité. Je pense qu'à Genève, on a la chance d'avoir un bassin de population, donc ville-campagne qui est à côté. Et donc, on est de plus en plus proche de nos clients de la ville et des clients en général. Et les gens peuvent venir voir la ferme, ils peuvent voir d'où ça vient et c'est vraiment important de savoir aussi de ce qu'on mange.